c'est le dernier rendez-vous pour cette semaine, bien entendu, du point de l'actualité. T'es vu par nos confrères, déjà en position pour nous aider à écumer la une des journaux. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour, Joël Etoji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, nous clôturons cette semaine avec quel fait majeur? En tout cas, la voix du clergé qui finalement a situé les responsabilités et également sa participation ou non à la médiation en cours dans la République du Bénin. Ça a fait grand bruit. Deux jours durant, les internautes ont lu que effectivement le clergé a déposé donc son tablier, mais non, ce n'est pas le cas. Le père Okuitia est monté donc au créneau, responsable de la communication de l'épiscopat, est monté donc au créneau pour clarifier la position de l'Église catholique dans la médiation en cours. Sans oublier qu'il y a une bonne nouvelle pour Daïori, mardi prochain, il recouvrera sa liberté. C'est Matin Libre qui va nous renseigner là-dessus. Sans oublier que la frontière reste fermée, les conséquences se ressentent déjà au Bénin. Oui, quand je viens maintenant, ici va vraiment l'actualité, nous allons y aller avec... La dépêche qui en titre met en manchette ce matin, suspension ou non de la médiation du clergé, à quel sens se vouer désormais, s'interroge le journal. Puisque le clergé dit ne pas jeter le tablier, est-ce que véritablement médiation il y a toujours? CEDEAO, la crise béninoise passée à la loupe et puis transaction mobile au Bénin, les nouvelles conditions à respecter pour y accéder. Confrères de la matinée, Assemblée générale de la Fédération béninoise de football ce samedi à Porto-Novo. De bonnes nouvelles pour les clubs en championnat 2019-2020. En tout cas, 1 730 000 francs CFA, 1 730 000 000 de francs CFA comme budget prévisionnel. Au total, 926 matchs de 140 pour la Ligue 1, 306 en Ligue 2 et 380 en Ligue 3. Donc, tout un dossier à retrouver dans les colonnes du journal de Sondé Félix Pépéripé. Le Nouvel Observateur, rapport tronqué sur le décès de Dame Prudence Amoussou. Les autorités du CNHU seraient-elles complices, s'interroge le journal. Et puis fermeture de la frontière nigériane, quand l'orgueil des rupturiers met le Bénin en danger. Gestion de la microfinance, la rupture appauvrit les artisans, selon Vincent Tossa. Matin Libre. En prison dans l'affaire CNCB, Daïori libéré mardi et prochain. Fermeture de la frontière du Nigeria, le prix du paillot flambe déjà et puis suspension et du programme anglophone dans les universités ou écoles de formation supérieure. Les étudiants nigérians désertent le Bénin. Le quotidien Point Média, coopération Bénin-Nigéria, Bouhari ferme ses frontières. La CEDEAO se réunit dans la foulée, la crise béninoise à l'ordre du jour. Ça s'annonce dur à vivre dans les ménages. Et puis à Takoura, le taux de grossesse en milieu scolaire est en régression, Joël Dietonji. Merci à vous, Claude Jovi. Maintenant, nous allons démarrer par Point Média, pourquoi pas. Oui, Bouhari ferme ses frontières, affiche Point Média avec une série de sous-titres quand tu viens maintenant. Oui, il paraît que la CEDEAO doit se réunir et de façon in extremis pour évoquer la situation béninoise qui sera donc au cœur de cette réunion. Et il est même annoncé la participation de la diaspora béninoise à cette rencontre. Pourquoi cette fois élargir cela aux Béninois qui vivent à l'étranger? Est-ce parce que véritablement on veut avoir deux sons de cloche au cours des discussions? Parce que rappelez-vous tout dernièrement où le Bénin a pris part à une rencontre au Nigeria, surtout relative à cette crise-là. Et bien sûr, c'est plus de 3 communiqués qui ont officiellement circulé sur la toile. Personne ne sait véritablement lequel était juste et fondé. Le Bénin pratiquement n'est pas condamné par rapport à cette élection exclusive de l'opposition, assortie donc des violences post-électorales. Mais cette fois, il paraît que les pays de la région veulent encore se pencher une fois sur la question et invitent la diaspora donc à participer. Espérons vivement qu'au sorti de cette rencontre, non seulement on trouve une solution à la crise politique que traverse le pays, mais surtout à la crise économique aujourd'hui, du fait de cette fermeture de frontières que vous avez évoquée. Eh bien, la crise béninoise annonce, ça sent déjà très dur dans les ménages. Je ne sais pas combien de jours encore le Bénin va tenir. Mais l'opération est partie pour durer 28, nous apprenons. Mais déjà, après 72 heures, ça se ressent véritablement sur le terrain.
ça se ressent. Matin libre confirme, eh bien, va sur un autre terrain. Le produit de la contrebande, pour l'appeler ici, le paillot, a connu une hausse vertigineuse de prix, rapporte le quotidien. Oui, mais ça provient naturellement du Nigeria, ce paillot en question, quand on parle de paillot, puisque l'émission n'est pas seulement pour les Béninois, eh bien, c'est cette essence de contrebande, donc communément appelée frelaté, mais qui nourrit aussi bien les citoyens, même que les véhicules administratifs. Donc à partir de cet instant, aujourd'hui, paillot qui prend donc qui augmente donc en termes de prix de cession, simplement parce que oui, le Nigeria qui était le pourvoyeur aujourd'hui a fermé donc ses frontières. Figurez-vous que d'autres produits également de première nécessité qui proviennent du Nigeria et même des matériaux qui entrent dans des constructions et travaux divers connaîtront également une certaine augmentation du prix. Donc la vie chère va davantage s'aggraver, mais il y a beaucoup d'autres implications qu'on ne saurait donc élucider sur ce plateau. Toujours est-il que le Bénin gagnerait davantage à accélérer les négociations afin de trouver un terrain d'entente avec le Nigeria. Avec le Nigeria encore et toujours, battez libre, ouvre une autre fenêtre. Celle éducative, mais s'interroge si le Bénin ne gagnerait pas en revoir aussi de ce côté, car la suspension annoncée de l'anglais au niveau des établissements d'enseignement supérieur privé amène bon nombre d'anglophones à déserter les universités. Malheureusement, c'est le constat qui est fait. Maintenant, si ça visait un homme, parce que lui aussi aurait son établissement parmi ses écoles de formation supérieure qui reçoit donc les étudiants nigériens. Si on pense que ça ne vise que celui-là, eh bien c'est du tort qu'on fait à l'économie nationale, parce que la plupart, beaucoup d'établissements d'ailleurs reçoivent les étudiants qui viennent donc du Nigeria. Et quand on dit étudiants qui viennent du Nigeria, ce n'est pas seulement pour ces établissements privés. Il y a quand même des coopérations que le Bénin a avec des États anglophones, par exemple à travers ces Belaé. Le Ghana, par exemple, aussi envoie ses étudiants étudier au Bénin, tout comme le Nigeria. De ce point de vue, ces étudiants étrangers qui viennent au pays, ça fait des locations, ça fait d'abord les frais de scolarité qui sont payés, et c'est des gens qui consomment également sur place, donc c'est de l'économie également qui est en train de prendre un coup. Donc nous avons à prendre des décisions, nous avons à faire des réformes, mais quand c'est des réformes qui ne sont pas à visage humain, et quand ce n'est pas des réformes qui encouragent la croissance économique, il vaut mieux réfléchir par deux fois. On ne sait pas ce que l'État béninois gagne aujourd'hui à suspendre donc l'anglais des écoles de formation professionnelle de l'enseignement supérieur, mais voilà quand même les contre-coups. Les contre-coups sont importants et tout ça, donc je pense qu'il faut vraiment un médiateur. Et parlant de médiateur, au moins parlant de la crise politique, beaucoup de bruit autour de la position du clergé. La Dépêche revient avec ce gros titre, quoi, je veux dire, à quel saint, voilà, se vouer dans cette supposée démission ou suspension ou non. Voilà, le mot juste, suspension ou non. Oui, à quel sens vous voulez, parce que vous savez, d'une part, l'Église catholique a unanimement pris sur elle la décision de rencontrer la classe politique pour pouvoir obtenir le dégel, classe politique égale mouvance et opposition à la fois. Mais de l'autre côté, le chef de l'État, dans la foulée, a convoqué la classe politique. Désormais, il y a pratiquement comme deux fronts qui tente donc d'apporter une solution à la crise que traverse le pays. Mais les opposants pensent que le chef de l'État ne peut pas être le bon médiateur pour cette crise-là. Maintenant, l'Église catholique, qui semble neutre aujourd'hui, semble ne pas également recevoir toute l'attention possible de la part de la mouvance. En tout cas, pour les indiscrétions, il y a des lettres d'audience qui ont été adressées à la présidence qui, jusque-là, n'ont pas reçu quand même une fin favorable. Donc, à partir de cet instant, on se demande, est-ce que c'est du côté de la mouvance qu'on va trouver le médiateur ou l'Église catholique restera ce médiateur neutre? Donc, le journal a bien fait donc de se demander à quel sens se vouer, parce que quand on parle de l'Église, ça renvoie toujours au saint. Quand je viens, on reste avec la Dépêche qui partage cette information avec nous. L'homme en difficulté hier peut se frotter les mains. Justin Benhamento, c'est du magistrat qui est la question dans cette affaire qu'on ne rappelle plus. Enfin, il est réhabilité. C'est une bonne nouvelle pour sa famille et pour l'homme, en l'occurrence, ce qui, sous la gouvernance Bouniaï, était quand même célèbre, mais qui, à un moment donné, a sombré tout aussi facilement, rompu donc pratiquement comme un château de cartes. Mais aujourd'hui, s'il est réhabilité, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle également pour ces magistrats aujourd'hui qui, pour un oui ou pour un non,
sont sous la coupe des sanctions également du Conseil de la magistrature aujourd'hui, de garder espoir que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, pour ceux qui succéderont à Patrice Talon, comme lui-même l'a dit tout dernièrement, eh bien, on peut les réhabiliter aussi. Pourquoi pas? C'est ça la République. C'est cela la République. Quelques minutes encore, que je viens maintenant, on parlera de bonnes nouvelles aussi. On reste dans la continuité avec le confrère de la matinée qui nous amène sur le terrain vert de bonnes nouvelles pour les championnats de club. Assez de sous dans l'air. Tout à fait, 1 730 millions de francs CFA, ce n'est pas rien. Je crois que ça traduit également la performance des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, les écureuils qui vont renouer bientôt avec le Curon en match amical avec la Côte d'Ivoire du côté de la France. Mais en attendant, sur le terrain, il faut préparer la pépinière. Donc, étoffer la sélection locale afin d'apporter du grain neuf à la team nationale. De ce point de vue, je crois que cette cagnotte-là n'est pas rien du tout, 1 730 millions, ça doit pouvoir galvaniser les uns et les autres sur le rectangle vert, vous l'avez dit, il ne faut pas que cela aille dans les poches. Tout à fait, il le faut, transparence oblige. Merci à vous, Kadouya Métanou, chers téléspectateurs, merci et à lundi.